une petite astuce maison pour ne pas avoir le grain qui colle, on met le petit tac. Donc nous sommes aujourd'hui le 10 mai si je ne me trompe pas. Et donc nous sommes en train de semer du soja avec Monsieur Canton. Bonjour. Bonjour. Donc expliquez-nous un peu ce que vous avez fait avant de semer ce soja. Donc là on est sur un précédent maïs. Il y a eu un couvert de 100 kg de faverolles et 50 de triticales. Après ça, il y a eu un coup de glyphosate à 2000 hectares, un coup de broyeur, un coup de rotative, et un coup de déchaumeur, un coup de rotative et roulé. Donc là on sème à 400 mg hectare, à 80 cm. Et voilà, juste une anti-limace. Du coup le travail du sol s'est bien fait malgré les conditions? Ah oui, non, on les a pris, on a eu du bol pour ma part. Et non, c'est très bien fait, c'est bien émietté, on n'a pas eu de soucis particuliers. Là, aujourd'hui il fait 16 degrés, il va pleuvoir dans 3 jours. Ça devrait être parfait. On va essayer, on verra, ça va sortir. Du coup, vous l'avez semé à 2,5 en profondeur? Ouais, on est à 2 cm en profondeur, ça fait 32 pieds au mètre. Et le sol, donc vous m'avez dit qu'il était réchauffé à 4. Ouais, le sol, il y a 14. Il y a 14. Donc de bonnes conditions pour semer au pied l'aîné atlantique.